Salut les amis, vous avez parfaitement raison d'être une nouvelle fois au rendez-vous ici au gymnase de Phoenix sur la chaîne de l'Artois. Très heureux de vous retrouver pour la dernière affiche de cette phase de poule. Quelle affiche! Vous le voyez chez les hommes, l'île de la Réunion, tenante du titre, va affronter Madagascar dans le match que tout le monde attend ici lors de cette phase de poule. C'est le remake de la dernière édition des Jeux. Le duel fait saliver beaucoup de monde, moi y compris. Et pour nous accompagner pour cette rencontre qui promet sur le papier et sur le parquet, Jean-Michel Sénec et Gary Kunkano, messieurs, bonjour. Bonjour. Ça fait saliver quand même ce duel. C'est sûr, Benito. C'est vraiment le match phare de la compétition, on doit dire. Avec d'un côté les Malgaches contre les Réunionnais, et qu'on a pu voir dans l'édition dernière, l'un des dernières éditions, où la Réunion a fait un très joli match à la maison chez eux. Et on attend qu'aujourd'hui le spectacle soit vraiment présent sur le terrain, et ça c'est sûr qu'on va l'avoir. C'est une finale également de groupe, puisque le vainqueur Jean-Michel sera premier, prendra la tête bien sûr de ce groupe A. Effectivement, Benito, et les deux équipes qui se présentent sur le parquet cet après-midi et ont chacune deux victoires à leur actif, et c'est sûr qu'elles vont, c'est un peu une finale avant la lettre, dans ce sens que les deux équipes vont donner le maximum pour terminer sur la première marche et garder intactes toutes leurs chances vers la finale. D'un côté, les Réunionnais voudront confirmer le titre de champion. De l'autre, les Malgaches voudront prendre leur revanche. Donc, restez avec nous tranquillement devant votre poste de télé pour suivre cette rencontre passionnante entre l'île de la Réunion et Madagascar. Mais là, ce sont les îles. Du début de la rencontre, match comptant pour le groupe A entre l'île de la Réunion et Madagascar. Duel au sommet entre deux formations, comme l'a dit Jean-Michel, qui ont remporté leurs deux premières rencontres. La Réunion a battu d'abord Maldives 106 à 42, et puis au buzzer, les Réunionnais se sont imposés face aux Seychelles 64 à 62. Et vous avez vu les officiels de cette rencontre, notamment Benoun Souga et Leslie Chérubin, Yal Sharif des Comores.
Et du côté de Madagascar également, deux victoires, large succès contre les Seychelles, 79 à 56. Et puis effectivement contre les Maldives, plus 50, c'était 93 à 23. Deux équipes qui offensivement ont du talent et défensivement non plus, c'est pas mal. Effectivement, et donc on s'attend à du beau spectacle cet après-midi. D'un côté, nous aurons les Malgaches, fidèles à eux-mêmes, comme je l'ai déjà dit, très spectaculaires, très volontaires dans l'effort. Et du côté des Réunionnais, nous aurons, allons dire, ce basket beaucoup plus posé, beaucoup plus travaillé. Avec notamment le numéro 8, ce fameux Bastien Waro, à surveiller, un joueur que vous, vous affectionnez quand même, Gary. Oui, oui. Par exemple, Bastien Waro, je l'ai vu évoluer en 2012 pour la CGSEI. Je l'ai vu souvent dans les compétitions régionaux. Et aussi, il évolue aussi en France. Ouais. Et après, vous avez aussi Richardson, qui est un élément que je connais depuis 2012, pareil, dans le même effectif que Bastien Waro. Et c'est deux jeunes joueurs, deux jeunes talents rayonnés que je suis sûr vont promettre beaucoup à cette équipe. Alors que du côté de Madagascar, vous voyez les joueurs qui vont évoluer sous le jeu dans quelques minutes, notamment le numéro 6, Livio Ratianarive, qui est un bijou au niveau de l'océan Indien. Alors Ratianarive, c'est un joueur qui a beaucoup, énormément de talent. Et sur le papier, comme c'est écrit là, je vois, ils ont mis shooter, c'est un tireur affûté. Et aussi, il ne faut pas oublier le numéro 13, Missilien. Oui. Qui a le meneur de jeu. Voilà, le meneur de jeu qui développe et qui emmène l'équipe avec lui et qui sait quand retenir le jeu et là où il faut faire mal. Il le sait très bien comment le faire. Le joueur à surveiller, vous voyez de dos, du côté de Madassé, le numéro 6, Livio, MVP de la dernière édition de la compétition des jeux de la CCOI. Content pour, bien sûr, la zone essor indien. Il avait remporté le titre aux Seychelles avec son équipe, le club omnisport de la police nationale de Madagascar. Donc, attention à lui. Ça me sent le meneur. Ouais, pour le moment, oui. Pour le moment, oui. OK, venez là. On s'approche. Sam, sur le meneur. OK, Nelson. 25. Mike, le 11, Flo, 14. On voit le banc de Madagascar, mais on entend les consignes du côté de l'île de la Réunion. Allez, on va écouter. Première attaque, 3. On fait 3, normal. Il y a première montée, deuxième. OK. On joue la balle à l'intérieur. Priorité, donner la balle à l'intérieur. Lorsque l'ailier reçoit la balle, le deuxième, il monte là. OK. OK. Donc déjà, sur ce que nous avons entendu, je pense que le coach malgache va opter pour un marquage individuel peut-être dans sa zone en défense, alors que le coach réunionnais il voudrait maximiser sur ses grands pivots et privilégier un jeu intérieur. Peut-être provoquer les Malgaches à la faute, mettre un peu de pression dès le début. Et le 5 de départ du côté de Mada, vous voyez, le 5 de départ également du côté de l'île de la Réunion, avec notamment du côté de Mada, le pivot Rakotenerin, lui aussi à surveiller sur le cercle, le numéro 91, le 25, c'est Elai, l'arrière de cette équipe, le 14, c'est Ravel Manansou. Et puis, il y a aussi le 53 Ridge. Et du côté de l'île de la Réunion, c'est un 5 type, on va dire, avec les meilleurs joueurs pour débuter cette rencontre. Pour quelques secondes de patience, la serpillière, c'est important. Il ne faut pas que ça glisse d'entrée et qu'on se blesse malencontreusement. Avec notamment le 15 da Silveira, lui aussi un shooter patenté. L'ailier fort de cette équipe, Champagnac, lui aussi sur l'aile, a surveillé le premier. Position réunionnaise. Avec la Réunion à l'attaque, avec Maléran
Richardson, justement, le jeu à surveiller également, comme vous nous l'avez dit, Gary. Et ce sera pas une première perte de balle et un tir à 3 points en tête de raquette. Tir loupé. Récupération malgache. Et la Dès l'entame, on voit que ce sera une rude bataille sur le cercle. Possession toujours malgache et tir. Jump shot raté. C'est reparti du côté de la Réunion avec cette passe un peu trop forte. Certainement, on va se régler. Hein. Bien sûr, Benito. Ça prend du temps, des fois, pour les joueurs, surtout après avoir joué quelques jours d'affilée. Bon, lundi, c'était journée repos, mais quand même, après les gros matchs qu'ils ont fait hier contre les Seychellois, c'est la Réunion. Et voilà. Et c'est sûr qu'ils ont un petit peu de fatigue dans les jambes, mais quand même, je pense que cet effectif réunionnais va bien. Le panier de Madagascar. Comme je disais, l'effectif réunionnais va se mettre en route. Voilà, comme on le voit. La Réunion se place. La défense très agressive de la part des Malgaches. Au panier. Et tranquille. Un tir facile quand même, le contre derrière. On sent un peu de crispation. Mais surtout pas de cadeau. Pas de cadeau. Pas de cadeau, effectivement. Des paniers qui a priori paraissent très faciles et malheureusement il n'arrive pas à marquer. Les Malgaches qui mènent toujours par 2-0. Ridge. À la main. Extérieur. 3 points. Il y a une faute. Ce sera 3 lancers, bien sûr. Ne jamais sortir sur un tireur à 3 points. Et des fois, dans le feu de l'action, comme ça, on a toujours tendance à aller sur le tireur, mais c'est le tireur qui est des fois beaucoup plus intelligent, qui va aller. Qui attire la faute. Voilà, qui va prendre le contact et donner 3 paniers à Madagascar. Le premier est marqué, il lui en reste 2 à tirer. Monsieur Eli, le 25, qui a fait une belle performance le match contre les Seychelles. Voilà. Droit sur 3. Ça commence bien pour les Malgaches. 5 à rien. Les Malgaches qui sont en tête de ce groupe grâce à un meilleur point average. Ouh là là. Alors. Tout jeu. Le head coach ne joue pas quand même. Mais Benin Subia va bien sûr lui dire de peut-être. De mettre. Je pense qu'il faudrait qu'il mette dessus parce que le blanc. Ouais, exactement. Dans le feu de l'action. Ouais. Non, même pas. Non. Allez, on continue à jouer. Et la balle est rendue au Réunionnais. Il va falloir m'expliquer tout ça quand même. Ah, normalement, pas ça. Pas grave, le petit bras roulé. Le ballon aurait dû être pour les Malgaches. Les Malgaches, mais je pense qu'il y a eu contact de main avec le ballon avant que ça sorte. Pose d'écran. Tire à 3 points. Et le rebond pour les Malgaches. Avec Ella qui fait sauter son défenseur. Très bien qui fait. Ressort. Très bien fait. Voilà, ça démontre l'intelligence dans le jeu. Alors, quand la raquette elle est trop encombrée, on ressortit tranquillement. Voilà, on ressort le ballon et on va puis revoir on ça. Attaque. Le 15 qui fait la passe. Ouais. Red coach. Voilà, c'était le même mouvement. C'était le même mouvement. Vous êtes bloqué en dessous de la raquette, dans la raquette, vous ressortez le ballon. Allez, Rich pour la remise en jeu. Il s'occupe de tout. Il fait tourner. Et là, qui pénètre. Petite feinte. Troisième faute déjà pour les Réunionnais. Les Malgaches qui mettent de la pression sur cette défense réunionnaise. Qui ne trouve pas ses marques encore. Attention, il faut surveiller également le nombre de fautes déjà pour les Réunionnais. Ils sont déjà à 3 fautes d'équipe et Richardson a déjà 2 fautes personnelles. Avec Rakoteni Rin sur la ligne des lancers. Exactement, et nous sommes même pas à 3 minutes de jeu.
premier lancé réussi. Un sans faute pour les Malgaches. 4 sur 4. Ouais. Deuxième lancé. Il y a quand même une belle ambiance ici, Jean-Michel. Ah oui. Le second est loupé. Mais ça fait quand même 6 longueurs d'avance pour les Malgaches avec les Réunionnais. Qui n'ont toujours qui pas sont ouvert dans leur le compteur. Camp des Malgaches pour tenter d'ouvrir leur compteur, justement, Jean-Michel. Voilà. On fait circuler le ballon. Et la défense très agressive. Nouvelle perte de balle, la troisième, si je ne me trompe, du côté réunionnais. Non, je pense que le coach peut-être devrait demander un tournoi parce que les consignes ne sont nullement appliquées ou alors elles ne marchent pas vraiment. Et les Réunionnais subissent. Les 3 minutes de jeu ici au gymnase de Phoenix pour cette dernière rencontre. Le alley-oop. Ça a été un peu. C'est ça les retours de cette sélection malgache. C'est spectaculaire. Voilà. Même un peu trop. Le Joël, il avait tout le temps de. Et les contre-attaque. Très belle contre-attaque. De ravaler gentiment. Ça fait mal. Là, ça fait mal. 8-0. Ravel Manansou qui marque et qui donne 8 longueurs d'avance au Malgache. Et temps mort demandé par le coach réunionnais pour tenter de stopper l'hémorragie. Bien sûr. Tu rentres. Ok, Mike, en 4. Ok, on arrête. Là, 3, 2 fois, ça va marcher, on change. Ok, on peut partir sur du 4, du 2. Ok, sur panier marqué, quand eux ils marquent le panier, tu restes vigilant derrière, tu restes au rond central parce qu'ils font une zone, d'accord les gars, et tranquille, ok, on s'applique, on reste agressif, en défense on communique, ok les gars, allez on se met dedans. Et ce n'est que le début bien sûr, mais il faut bien se remettre dedans et on voit ici, tranquillement déposé dans la main. Et comme là, on a vu le coach réunionnais qui redonne la directive à son effectif pour aller vraiment être agressif en attaque et aussi en défense. Parce qu'ils ont subi quand même, là, par rapport aux 3 minutes de jeu, ils ont beaucoup subi par rapport à l'attaque des Malgaches. On a fait tourner avec l'entrée de Waro. Et de Var également. Prise à deux, il s'en sort. Voilà, Bastien Waro. Tackling de fond. On ressort de l'autre côté à 3 points. C'est loupé de la part de Richardson et le ballon dans les mains des Malgaches qui relance. Ridge entre les portes du salon. Il ressort vers son extérieur qui va tranquillement terminer en 2 temps. Il faut dire que les Malgaches disposent d'un excellent meneur de jeu. Sismori. Qui arrive à fixer la défense adverse et de ce fait libérer ses coéquipiers. Et ça n'arrive toujours pas du côté de la Réunion. Non. Et pourtant, ce sont des tentatives, bien sûr, de là où nous sommes. Ça paraît simple. Oui, mais quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile encore. Définitivement. Avec la fatigue, ouais. Les souffles, des fois, qui se fait couper. Et c'est assez dur. Et tout cela est compensé par les entraînements acharnés et assidus. Et la réunion de la pénalité, donc chaque faute maintenant, les joueurs malgaches iront sur la ligne. Ce sera le cas avec le numéro 11, Francis Maury. Déjà auteur de 2 points. Ce sera son troisième. Les deux lancers francs réussis. Et déjà, c'est un 12-0 en faveur des Malgaches. Ce n'est que le début, Jean-Michel. Ah, c'est vrai. Mais quand même, 3 positions d'avance à 3 points. Même plus 4 positions d'avance à 3 points. Et surtout que l'équipe, maintenant, elle est mise en confiance. Tout semble lui réussir. Et on peut gérer, d'ailleurs. Voilà. La pression des Malgaches. Voilà. Avec Waro, décaler le ballon, voilà, ça va être un peu plus facile. Et le panier.
Karim Ouattara. Le grand Karim Ouattara qui ouvre. Capitaine de la Tamponnaise. On a fait quelques recherches, Gary. Ravel Matsu. Qui va se battre, mais qui va perdre la balle avec la contre-attaque du côté de l'île de la Réunion et la faute de Ridge. Et Monsieur Soubia qui siffle marché. Ah. Ah. Est-ce qu'il avait marché? Si l'arbitre l'a vu. Si, voilà, si Monsieur l'arbitre l'a vu. Et on va le voir devant l'accepter. Réussi par l'île de la Réunion. Et Karim Ouattara. Même si on aurait aimé que le score soit un peu plus serré. Changement du côté malgache. La rotation sera très importante, et effectivement, voilà, pour garder le tempo, avec notamment l'entrée de du numéro 6, Latiana arrive. Livio. Livio Rocheteau. Ratiana arrive. Mise en jeu malgache et ça repart. Toujours emmené par Ridge, le 53. Voilà. Je pense qu'avec une avance de 10 points, le coach malgache, il a raison de faire tourner son groupe. Voilà, un super panier. Très facile, très facilement marqué. Et la colonie malgache est contente, bien sûr. Luciano. 12 longueurs d'avance pour leur équipe. Non, maintenant, on voit un peu plus les rayonnés qui attaquent le cercle directement. Je pense qu'ils sont un peu piqués dans leur orgueil et ils doivent se réveiller, quoi. La fixation, la passe à l'intérieur et ça fait mouche. Encore un changement du côté des Malgaches. Avec le 23. Le 23. Mandimé. Mandim Bisson. Mais on va dire Fabrice. C'est plus court. Oui, ça va être beaucoup plus court. Lancé franc pour les Réunionnais. Avec le 9. Avec Johan Padré. Johan Padré. Loupé. Il aura une deuxième chance, un deuxième tir. Et ça va faire filer. Non. Un 0 sur 2. Toujours pas de chance pour l'équipe réunionnaise. La confiance n'y est pas. La confiance n'y est pas. Voilà. Défense maintenant presque tout terrain pour les Réunionnais. Avec Ridge qui remonte tranquillement, tranquillement. Pose de système. Demande l'écran en tête de raquette. Il va attaquer le cercle. Tranquille. Facile, mais ça rentre pas. Et le rebond pour l'île de la Réunion avec Padré. On fait tourner Waro. C'est joué dans la raquette. On ressort le ballon encore une fois. Ouh, joli le pump fake. Voilà, eux tirent 3 points maintenant. Un peu trop court. Il y a une très bonne circulation de la balle. Très bonne circulation, rapide, précise, mais le tir n'était pas ce qu'on attendait quand même. Et les Malgaches font bien ce qu'ils font. Ils posent le jeu, ils se placent et ils déclenchent un mouvement. Ils cherchent le joueur plus facile. C'est reparti du côté de la Réunion avec Var. Waro ressort à l'extérieur. Ça ne veut toujours pas rentrer. On nettoie le cercle du côté des Malgaches avec Ridge en contre-attaque. Il va calmer tout ça. Prise à 2 sur lui. Il ressort à 3 points. Et ça chance. Rebond pour la Réunion avec Var qui va attaquer le cercle. Var. Et la faute. Du numéro 23, Fabrice. On revoit ce ralenti. Profite de sa taille également pour attaquer le cercle. Bien sûr, pas de panier facile du côté de Madagascar. Var devra se faire justice lui-même. Si je ne me trompe, c'est la première faute concédée par Madagascar. Exactement. C'est dire à quel point
Leur défense travaille bien. Ils sont concentrés. Ils sont très concentrés dans ce match. C'est la première faute. Intense, concentré, mais correct. Après 7 minutes de jeu. Et c'est bon pour lui. L'écart réduit à 10 points maintenant. Mais Madagascar fait toujours la course en tête. Voilà, on voit bien Ridge à l'écran qui demande à se placer et à faire le système travailler. Avec Livio qui va attaquer le cercle, la prise à 3, le jump shot. Très joli tir en suspension. Et ça, je crois que c'est un peu la marque de fabrique des Malgaches. Ils ont une très belle détente et. Joli la passe, le petit flotteur. Bonne récupération. Ça ne paye pas et Ridge qui relance la machine. Déjà 12 points d'avance. Ils ont repris le contrôle du match. Le match. Là, ça a failli faire mouche. C'était un tir, une passe, un mélange des deux. Avec Maléran qui attaque le cercle. Il est passé. Un peu gros. Et le rebond de VAR derrière, et il y aura une faute sur l'intérieur réunionnais. Alors qu'on va Ridge, prise à deux, le petit step back et le tir en suspension. Je pense que le grand VAR met beaucoup de pression sur cette défense malgache. Parce que là, son entrée a fait du bien. A fait beaucoup de bien. Avec la taille qu'il a, le carrure qu'il a, c'est sûr qu'il doit travailler dans la raquette beaucoup plus et aller sur l'anneau. Et voilà, comme il fait, faire les Malgaches aller à la faute et concéder avec les tirs derrière. Voilà. Deuxième lancé. Et réussi. 4 sur 4 pour lui au lancer. Et la rotation qui se poursuit. Et toujours ces 10 points d'avance pour Mada. 16 à 6. Je vous rappelle que le vainqueur de cette rencontre affrontera Maurice en demi-finale. Ce sera ici même à 13h30 ce vendredi. Et là, l'allure que ça prend, on voit très bien Madagascar, Maurice en demi. Oui, Benito, oui. Premier contre second dans le groupe B. Oui. Donc il y a eu un changement du côté. Moi, j'étais toujours sur le match de foot. On salue le footeur d'ailleurs. Ah oui. Victoire. Notre ami Kofi et monsieur Maurice. Et monsieur Vrigash Barigotti. Allez, on poursuit nous avec notre rencontre. Ah, la balle est perdue. Contre-attaque. Et le petit dunk. Fabrice toujours. Et il faut dire que le sélectionneur malgache a fait tourner son équipe au niveau du menu. Il y a eu un changement. Il y a le numéro 7, Lomario, qui a donc remplacé Ridja. Il entre également de Waro du côté de l'île de la Réunion. On le voit à la main. On ressort avec Gara. Allez surveiller le chrono. Et boum. Le 23. Avec la couleur rouge, ça nous rappelle quelqu'un. Il le porte bien, hein, il le porte bien. Avec les deux mains. Easy. La sécurité. Avec justement Teddy Massian, le Mario Teddy Massian qui attaque le cercle. Et la balle sera récupérée par les Malgaches. Et voilà, encore un tir en suspens. Et le panier, derrière. De Farah Lyle. Je trouve que la plupart des Malgaches, ils ont ce tir en suspens. Je pense que ça a été vraiment travaillé pendant les entraînements. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont. C'est un peu. Pour moi, c'est un peu le marque de fabrique également. Vous connaissez très bien le basket malgache. Oui, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois, plusieurs compétitions face à ces Malgaches. Mais vous savez, quand vous allez entendre la Rivo et que vous voyez le nombre d'escaliers, des montées, des descentes, c'est pas étonnant. Ils passent leur temps
comme on dit, à grimper, à redescendre ces escaliers. Ils sont très forts sur leurs jambes. Ils sont peut-être moins doués en taille, mais ils compensent ce manque de taille par... Voilà, détente, une ont. Détente ouais. Assez exceptionnelle. On fait tourner, on n'ose pas prendre le tir à trois points. On travaille sur le cercle avec Ouattara qui se fait contrer. Là, les Malgaches, ils sont vraiment très confiants. Ils sont tout leur réussi. Et on peut voir que le public malgache, ils sont là dans les gradins. Hein. Ils ont leurs supporters, c'est sûr. Avec Livio. Livio maintenant qui joue le meneur. Qui pénètre. Va et qui va rebond prendre son offensif. Rebond. Voilà, et qui va marquer. Et ce sera la fin de ce premier carton ici au gymnase de Phoenix à l'avantage de l'équipe de la Grande Île. Vous voyez au score 22-7 avec notamment les 5 points de Ela et notamment l'apport offensif de Livio, auteur de 4 points entrés en cours de jeu. Le petit shooter qui permet à son équipe de respirer, de rester tranquille en tête. Et vous allez nous traduire tout ça, Jean-Michel. Contestez avec les mains, comme ça, comme ici, en bas. Aou, Reba côté, Ratim Paul, le Oula Magal de côté, Vicky San, Nazé, Abdino, le Oula Magal de meneur, Télara, Kekio, Switché, comme toi aussi, Switché, sort. Nous l'avons, tout le monde. Ben c'est simple, il a dit des défenses agressives. On switch. Attends, tout le monde l'écran. Il y a une race 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 l'écran. Il a posé les écrans. Non, en fait, il a demandé à Olivier de lever. De lever les bras et d'avoir des appuis solides, ne pas fermer les jambes et de s'écarter face à ses grands et de les contenir à l'extérieur de la raquette. Et puis switcher, c'est, si jamais il y a écran, il faut qu'il change rapidement. Donc des consignes plutôt par rapport à l'attaque, Jean-Michel. Non, défensif. Fin traducteur, Jean-Michel. Je ne savais pas que vous avez ça aussi dans vos cordes. Hein. Gary, le sport, c'est un langage universel comme la musique. Exactement. L'art, exactement. Jean-Michel a mille qualités. Oui. Enfin, pas autant, mais quelques... Surprenant quand même le score. Oui. 27. On s'attendait à peut-être un match plus serré, peut-être un début de match plus serré. C'est pas encore terminé. Ah non, il y a encore trois quarts temps et c'est sûr que le coach. La question se pose. Si le coach Rayonnais va réagir, les Rayonnais devront réagir. Bah oui. S'ils veulent vraiment être en premier dans leur groupe et ainsi dire jouer Maurice, qui semble plutôt être un match facile pour la Réunion. Ou match Maurice-Madagascar qui semblerait tout beaucoup plus facile à sa vérité. Ouais. Et on verra tout à l'heure. C'est reparti pour ce deuxième carton avec Teddy Massian. Faute. Selon M. Soubia. Faute réunionnaise. Et... Je pense que ces grands gabarits réunionnais en défense n'arrivent pas à s'adapter avec la vitesse d'exécution des Malgaches qui sont beaucoup plus aériens et... Ils sont rapides. Très rapides. Teddy Massian. L'attaque ligne de fond. Ça ne paye pas le rebond pour l'île de la Réunion. Ça va leur faire beaucoup de bien. Avec Maléran. Maléran pour Da Silveira. Écran. Karim Ouattara. Ils essaient de jouer intérieur sur et Var. On va tourner tout seul. Et Var. Pas le tir. Vous voyez comme Var, il est bloqué. Ouais. Var est bloqué haut de la raquette. Il est difficile de se démarquer. Il n'arrive pas. Il même avec le gabarit qu'il a et la taille qu'il a, comparativement à son défenseur, c'est très difficile pour lui. Ben justement, c'est Fabrice. C'est, voyez l'écartement des jambes de Fabrice. Il a une base large qui lui permet donc de contenir Var haut de la raquette. Et c'est ce que c'était les consignes directes par son coach. Exactement. Récupération pour Teddy Massian.
À l'opposé, un peu fort. Mauvaise passe. Balle rendue facilement aux Réunionnais qui vont respirer un peu. Et c'est reparti avec Maléron. Il défend bien. Et toujours. Fait tourner. Var à l'intérieur, le petit bras roulé un peu court, même très court. Très court. Teddy Massian, l'autre meneur de cette équipe. Qui fait bien son boulot. Ouais. Entre-temps, Ridge se repose sur le banc. Et l'avance est toujours aussi confortable. Et l'adresse également présente. Et voilà. Le plus grand le public malgache. Plaisir des supporters malgaches. Jolie la pénétration de Maléran qui bénéficierait également de la faute. Une action à 3 points pour le meneur Samuel Maléran. Et le tir. À 0 degré. Et ça fait switch. Et le tireur, Ratia Nari Livio, qu'il va. Ballon récupéré par les Malgaches. Ça remonte très vite le terrain. Livio à la main. Le système des Malgaches est, on va dire, simple dans le fait de travailler et prendre les joueurs de grande taille comme Var et Da Silveira. Les faire sortir de la raquette pourrait ainsi aller beaucoup plus facile à la main. Petit écran. Livio arrive. On ressort vers Mori. Oh. Et la balle est récupérée par les Malgaches. Effectivement, Gary. Il y a peut-être un manque d'agressivité de la part des pivots réunionnais qui perdent des rebonds offensifs. On verrouille pas la raquette et c'est tranquille. Donc avec leur grande taille, ça ne devrait pas se produire. Comme dirait l'autre, opération portes ouvertes du côté de Madagascar. Le défenseur Da Silveira, il s'écarte. Il s'écarte. Au lieu d'aller sur le joueur, de mettre l'écran pour le déstabiliser, il s'écarte pour aller défendre sur son joueur. Chose qu'on ne fait pas. Surtout quand on est le dernier défenseur dans la raquette. Et surtout face à des marqueurs, comme te dit Massian ou autre Livio. Les Réunionnais qui ne trouvent toujours pas la solution. Je pense qu'ils auraient dû poser des écrans et pour pouvoir libérer les grands. Mais quand même, offensivement, ils sont montés de quelques degrés. Ouais, avec 9 points maintenant. Ah ben ça ne se traduit pas vraiment. 9 points là, au premier quart-temps, ils étaient à 7 points. Il n'y a que 2 points, je crois, sur le lancer franc. Non, c'était un panier de Maléran. Le panier ne sera pas accordé, c'est bien appelé pour le siffler. Possession réunionnaise. Et le joueur 14 malgache qui réclame un coup de coude. Et qui se plaint pour avoir la faute. Et Ravel Manassu qui sort. Et l'entrée du 13, Millicent, là aussi un joueur pas mal vu. Très adroit au tir. Très bon tireur. Et comme je l'ai dit, qu'il a fait un super match contre les Comores. Ouh, et le panier à 3 points de Da Silveira. Très joli mouvement. Et c'est ce qu'il doit faire dans la raquette. Il était deux au panier et avec une feinte, il a mis son adversaire dans le vent. C'est créé une ouverture et ça fait panier. Petit coup de rein. Au ralenti. C'est joli à voir. Le petit coup de rein, voilà, feinte. Et il enveloppe sa défense, panier. Et c'est bon pour lui, 3 points. Le mouvement type des pivots. Hein. Exactement. C'est du fausse, l'entraîneur malgache a demandé un temps mort. Un temps mort, effectivement. Alors, de quel côté
ira-t-on cette fois? Défense, 23, d'accord? 23 en défense, zone, ok? Ok, là, exceptionnellement, c'est des shooters. Faites zone normale, sortez un peu plus, ok? Par contre, attention, les gars, sur la zone, c'est le rebond, ok? On verrouille la raquette, il n'y a pas de coupe dans la raquette facile, mais après, on verrouille les rebonds, d'accord? On attaque, on va plus aller sur un jeu libre, comme vous faites là. Plus un jeu libre, un jeu de pique. Drivez, ok? Drive, ok? Allez-y, ils sont dans la pénalité là, ok? On continue, on les martèle encore comme ça. Sur du drive, bien sûr, du post-up comme ça. Ok les gars? Allez. Voilà, petit à petit grignoter des points, revenir dans le match. La stratégie a payé à faire que les Malgaches maintenant sont dans la pénalité, comme le coach vient de préciser. Mais ils accusent quand même toujours 15 longueurs de retard, les Réunionnais. Et là, le changement défensif côté rayonné, on va voir ce que ça va donner en zone 2-3. Et continuer en attaque. Je pense qu'avec la rentrée de Ridge, les données vont changer. Du côté de Malgache, des Malgaches, ça va aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, on le voit à l'écran. Ridge, le 53. Voilà. Demande le système. Défense 2-3. Vincen à l'opposé. On pousse les Malgaches à rester dehors. Voilà. Tranquille, et tout seul dans un fauteuil, un peu court, mais la balle est récupérée par Madagascar. Il avait le pied sur la ligne Faralal. Bien vu, la possession sera rendue Soubia au Réunionnais. Le ballon qui glisse un petit peu. Fabrice pour la remise en jeu. Voilà. Ridge toujours présent. Apprécier le meneur de ballon. Et Maléran toujours sur le terrain. On ressort avec Gara. On travaille sur la raquette avec VAR. Toujours lui. Il attire les fautes et les consignes sont respectées. Attaquer le cercle, chercher les fautes. Mais ce que je constate également, c'est que Rich fait un marquage quasiment tout terrain sur le meneur réunionnais Maléran pour essayer d'enrayer la machine réunionnaise. Ah. Pratiquement parfait sur la ligne. On voit que 5 sur 6 pour lui. Ridge et Ratian arrive qui discutaient. Et deuxième point pour VAR. Son sixième de la rencontre. Il y a quelque chose d'important à souligner, c'est que par rapport au premier quart-temps, on avait vu que la Réunion avait fait beaucoup de fautes. Et là, lorsqu'on regarde le tableau de fautes, on voit que maintenant, c'est les Malgaches qui subissent un petit peu par rapport aux fautes. Livio à 3 points, mais le rebond derrière pour Farah Lyle. Et la Réunion qui s'en sort. Tranquille, Waro. Et voilà. Les Réunionnais qui se réveillent maintenant. Hein. C'est le premier turnover malgache et qui est conclu par un panier réunionnais depuis le début de ce match. Donc, c'est ainsi que. On commence à prendre de la confiance dans le camp réunionnais. Exactement. Et 11 longueurs d'avance pour les Malgaches à l'attaque. Avec Livio. Arrive. En ligne de fond. Et panier. Plus la faute. Pour Faralé. Accordé, panier accordé plus. Romain Faralé. Discute avec l'arbitre. Alors on va se consulter entre les deux arbitres. Je pense que finalement le ballon sera rendu au Rayonnais. Il avait loupé sur la ligne, peut-être. Deux lancers. Monsieur l'arbitre, en grande discussion. J'ai l'impression que chaque arbitre a sa lecture de ce qui s'est passé. Et là, l'arbitre principal, Monsieur Chérubin, qui va aller parler avec le commissaire. En tout cas, il y aura deux lancers, mais de quel côté? Ça discute encore. Je pense que c'est une faute offensive, alors, sifflée.
Si on pouvait voir l'action. Oui, si on pouvait avoir le ralenti, ça nous aurait aidé à mieux comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, il y a discussion. Ça discute toujours, ouais. Entre le coach réunionnais et Lesté Chérubin. Voilà. C'est le départ de l'action. La petite fin. À l'opposé. Pas vraiment clair. C'est le tenu. Il a. C'est Farallé avant d'envelopper son joueur qui met la main pour tenir le joueur. Donc, monsieur l'arbitre a déduit à une faute offensive. Et Michael Var sur la ligne des lancers. Et qui fait du bien à l'effectif rayonnais. Au lancer. Meilleur marqueur de la rencontre tout court. S'il met ce second panier, Michael Var, 7 points pour lui. Ah, il est fait, bon. C'est fait. Avec le toucher, ça rentre. 8 points pour Michael Var. Et 11 logos d'avance pour Ridge Alamen pour l'équipe de Mada. Et la Réunion qui grignote des points maintenant. Mais toujours 3 points. Une belle avance pour Madagascar. Qui peut voir venir les Réunionnais tranquillement. Var qui remonte la balle avec un peu de chance. Il peut donner à ses coéquipiers. Et si le cercle, Richardson n'arrive pas à conclure. Un peu de manque de réussite. Le mouvement était bien. Il avait le champ libre, il a pris le tir. Rebond offensif encore une fois. Ouais, défensif maintenant. Et là on voit quelques ratés du côté des Malgaches. Ridge. L'angle zéro. Et rebond pour Rakotenirin qui ressort vers Livio. Toujours pas de réussite pour les Malgaches et c'est reparti avec Maléran. Le drive de Maléran. Le rebond derrière. Et c'est fait pour Var. Bon. Var, le go-to guy du côté de l'île de la Réunion pour le moment. Et qui ramène maintenant le 9 points d'écart. Exactement. Et je pense que les Malgaches avaient de belles occasions d'aller en 1 contre 1 contre les Réunionnais. Oh. Il le fait. Il le fait maintenant. Et ça soulève le public malgache. C'est un panier à 3 points. Angle 0 pour la réponse. Un peu long, rebond malgache. Ça repart avec Ridge. Tête même. De raquette. Millicène. Long, c'est rebond. Pas bien réunionné. Perdre le ballon après à peine 5 ou 6 secondes de jeu, rendre le ballon à l'adversaire. Et le panier plus la faute. Et là, il ne trouve pas la solution pour contrer. C'est bien Var qui a. L'action, je pense que c'était de 15, si je ne me trompe pas. Da Silveira. Voilà, qui demande le ballon. Mais on travaille dans. Directement dans la raquette. On a décidé d'attaquer le cœur malgache cette fois. Il le faut. Lorsqu'on a des joueurs de grande taille et qui savent bien dribbler avec le ballon et qui peuvent travailler rapidement dans la raquette et réagir au quart de seconde, il faut y aller à la nuit. Et c'est bon, action à 3 points voilà, pour Da Silveira. Ça va les mettre en confiance et qui ça maintient va beaucoup plus de. Les 9 points d'écart. 3-0. Oui. Pas mal. Interception réunionnaise. Il y a des déchets du côté de l'attaque malgache et ça va se payer cash. Avec Maléran à 3 points. Et rebond de Da Silveira. Qui cherche. Les Réunionnais qui semblent avoir trouvé leur second souffle. Tire en extension. C'est bon. Et Da Silveira. Auteur des 5 derniers points réunionnais, Da Silveira. Et la Réunion qui revient à 7 points. Rien que 7 points, alors que l'écart en certains moments était à 15 points.
en faveur des Malgaches. Ridge qui fait tourner vers Eli. L'attaque. Et le ballon qui part un petit peu trop. Mais je trouve que c'est bien, il fallait la qu'il... La fixation et la passe ligne de fond, le tir en extension. C'était bien de l'attaquant malgache d'aller vers le panier parce qu'il y a eu deux ou trois tentatives de tir au-delà de la ligne des trois points et ça n'a pas fonctionné. Donc. Encore une fois, va. Et rebond pour les Malgaches. Eric qui relance du côté malgache. Il a du mal à trouver son joueur. Et ça fait un moment que les Malgaches n'ont pas marqué. C'est vrai. Voilà. Il va essayer de faire le tir. Va pénétrer, on ressort, mais. Sifflet. Mauvaise conduite de balle et le ballon est rendu au Réunionnais. Voyez le marquage de Ridge sur Malheran. Il est constamment avec lui parce qu'il sait que c'est lui le meneur du jeu Réunionnais. Si on déstabilise le meneur, le jeu a du mal à fonctionner derrière. Exactement. Mais lorsqu'on a dans son effectif des grands gars comme Da Silveira et VAR, qui arrivent quand même à s'en sortir dans la raquette et aussi à tirer, là ça fait mal. Il est en mort à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. 32 pour Madagascar, 25 pour l'île de la Réunion. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Avec une écart de 7 points. Maintenant, on va laisser à Jean-Michel de nous traduire cela. Voilà, il a demandé d'être patient, de faire tourner et de verrouiller encore une fois. Je pense qu'il n'est pas très content de voir que De Oliveira et VAR, ouais. Ils ont fait la différence pendant ce deuxième quart-temps, donc il demande un peu plus de vigilance et de concentration. Allez, c'est reparti. Et changement du côté réunionnais avec Lébian Mathieu qui a fait son entrée. La petite passe. Et faute du côté. Oh, c'était fin de la possession. De lancer franc pour. Non, c'est faute du côté malgache. Donc de lancer franc. Da Silveira ira sur la ligne des lancers. 8 points pour lui, 10 pour VAR, le secteur intérieur qui permet aux Réunionnais de revenir tranquillement de la rencontre. Ils ont connu un début poussif, mais voilà, dès qu'ils trouvent leur allure. Et c'est bon. Voilà. Ben dites-moi. 27-32, 5 points maintenant. 5 points d'écart. 2 positions d'avance pour Madagascar. Tant mieux pour le spectacle. Avec Boutou. Nous allons voir comment ils vont réagir, nos amis malgaches. L'attaque ligne de fond de Ridge. Trop court. Quand même difficile, mais le rebond pour les Malgaches. Rapidité. Se joue facilement de VAR. Et l'attaque de Mori. Voilà. Qui a été chercher la faute dans la raquette réunionnaise. Et les Malgaches qui vont peut-être marquer après plusieurs minutes, Jean-Michel. Ah oui, ils ont connu un passage à vide où on a vu les Réunionnais grignoter point par point jusqu'à se rapprocher à 5 points.
Et là, voilà, on voit l'écran Rich qui donne des consignes à ses joueurs. Actuellement, le score de ce second carton, c'est de 20 à 10 en faveur de l'île de la Réunion. Voilà. C'est leur carton. La Fournaise qui se réveille maintenant. Effectivement, Stéphane. Premier lancé franc. Réussi. Réussi. De Maurice. Maurice. Le second tir. Facile. Dessus à deux. Maléran. Voilà, le qui marquage. Tout terrain. Allez, pour ralentir la progression. Voilà, on ressort avec le ballon. On trouve. Avec les Bihan qui va aller attaquer l'anneau. Et qui marque. C'est... Non, c'était Champagnac. Les Malgaches à l'attaque, ils font circuler le ballon à l'extérieur de la ligne de 3 mètres et de 6 mètres. 3 secondes encore à jouer, la balle est perdue. Contre-attaque de l'île de la passe volée, ça ne marche pas. Regardez, les Malgaches qui remontent rapidement le ballon pour la conclusion avec la faute de Botou. Ce qui au départ paraissait une attaque 2 contre 1 ou 2 contre 2 facile des Réunionnais, perte de balle. Et une remontée vraiment très rapide de Ridge. Il y avait peut-être une faute avant. Oui, ce joue la défense et très belle passe. Ouais. De contre et Boutou avec le panneau qui marque. On ne s'apprend pas pour lui. Et la Malgache qui se réveille un petit peu maintenant dans les dernières secondes. Et juste pour calmer carton. Tout ça, c'est le coach réunionnais appelle un temps mort. C'est Rich qui arrive à faire la différence. Dès qu'il est sur le terrain, déjà il a un gros travail défensif en essayant d'annihiler les attaques. On reste sur homme à homme, d'accord? Ok? Et c'est tout un tir rapide, tout de suite, d'accord? Sam, tu prends la balle, c'est. Flo, tu viens porter l'écran sur Sam, dans l'axe, ok? Mike, toi tu remontes, toi tu redescends, ok? Si tu peux le jouer là tout de suite, tu le joues, ok? Je veux Mathieu ici et Loïc, tu rentres, ok? Tu fais la touche. Touche, peu importe, un des deux. Tu fais la touche, tu rentres là. Ok, tu vas annoncer le changement. Tu fais la touche et tu rentres là. Et tu rentres là, ok. On y va tout de suite. Après, derrière. Derrière, on est en homme à homme. En homme à homme. Pas de faute. Homme à homme. Ok, pas de faute. Allez, go. Voilà, comme on a entendu les consignes du coach Rayonnais. On change un petit peu au niveau défensif. On va aller en homme à homme. Et aussi, le schéma d'attaque qui vient de changer. Avec le changement de du 11 qu'on voit à l'écran, le raté. Loïc. Il va effectuer la remise en jeu. Avec Maléran. Toujours Rich qui marque sur Maléran. Il ne le quitte pas des yeux. Enfin, de la main aussi. À 3 points. Oui. Et il le fait. Il le fait, Maléran. Il le fait. La dernière possession. Il faut peut-être... Que quelques secondes. Rich va aller tout seul. Et il le marque. Là, il fait tout. Le duel des meneurs entre Rich et Maléran. Il y avait au préalable les 3 points de Maléran. Et là, Ridge qui permet à Madagascar de rentrer au vestiaire avec un avantage de 7 points, 39 à 32. Messieurs, le choc sur le terrain a tenu ses promesses durant la ça a pris un peu de temps dans le premier quart, mais on a vu qu'en le deuxième quart, l'île de la Réunion a bien réagi et qui a ramené maintenant l'écart uniquement 7 points d'avance comparativement au premier quart qu'avait Madagascar, et
Voilà, je pense que maintenant ça va beaucoup être beaucoup plus intense dans le troisième et quatrième maintenant. Allez, messieurs, on va prendre quelques minutes de repos et on va se retrouver très vite ici au gymnase de Phoenix pour la seconde mi-temps de cette rencontre entre l'île de la Réunion et Madagascar. Pour le moment, les joueurs de la Grande Île mènent 39 à 32. Retour ici au gymnase de Phoenix où les acteurs s'échauffent en attendant la reprise de la rencontre. Vous le voyez à l'écran, le score en faveur de Mada, 39 à 32. 7 points d'écart, 7 points d'avance pour les joueurs de la Grande Île. Mais attention, la rencontre n'est pas encore terminée, Jean-Michel Icari. On l'a vu, malgré l'escapade malgache en début de rencontre, les Réunionnais petit à petit, notamment grâce à VAR et à Da Silveira, co-meilleurs marqueurs de la rencontre avec 10 points chacun, eh bien l'île de la Réunion est revenue de la rencontre et n'est que menée que de 7 points. Effectivement, et comme vous l'avez dit, Benito, les Réunionnais se sont admirablement bien repris durant ce deuxième quart-temps. Et ils ont quasiment refait la moitié du retard qu'ils accusaient au premier quart, et s'il continue sur cette lancée, l'équipe malgache va se retrouver fera face à certaines difficultés, c'est sûr, pour contenir ces rigueurs. Et au niveau de cette première mi-temps, Gary, quels sont les chiffres à retenir? On voit effectivement que, comme Jean-Michel vient de le dire, les Réunionnais, ils ont fait un beau parcours en scorant 25 points dans le deuxième quart contre 17 pour Madagascar, qui fait vraiment qui ramène la Réunion dans le jeu. Et surtout, on a remarqué que VAR, le numéro 4, et Oliveira, Da Silveira. Ouais. Ils ont bien attaqué l'anneau, ils ont fait ce qu'il fallait faire en allant provoquer les fautes du côté malgache et ainsi conclure avec 100% du côté des tirs au lancer franc. Pour 8 sur 8 pour VAR et 4 sur 4 pour Da Silveira. Et ça a ramené à faire que la Réunion rentre dans le jeu et maintenant concède uniquement 7 points d'écart avec Madagascar. Même si les 40 minutes sont super importantes, Jean-Michel, mais bien souvent ces derniers temps, on voit que le troisième quart-temps est essentiel, charnière par rapport à la suite de la rencontre. Définitivement, ce qui se passe, c'est qu'à la mi-temps, forcément, les coachs ont tout le loisir de poter d'affiner les réglages, les ajustements qu'il y a. Mais il y a également cette cassure du jeu qui peut peser sur certains joueurs qui n'arrivent pas à redémarrer le troisième quart avec la même confiance, le même engouement qu'ils auront terminé le deuxième quart. Donc, c'est très important ce troisième quart parce que c'est l'équipe qui va mieux démarrer, qui aura forcément un ascendant. Et donc là, ce sera très intéressant de voir comment, dans quelles conditions ils vont reprendre ce troisième quart-temps. Et la plupart du temps, lorsqu'on remarque dans le troisième quart, on va écouter le coach rayonner maintenant. Et là, les mecs, vous êtes prêts à partir à l'extérieur. OK? D'accord? Et Vous pouvez partir sur du 2 sur le pic. On est agressif. Allez, sur les drives. Agressivité, toujours le maître mot pour le coach réunionnais. Croyez-nous, messieurs, nous sommes dans une cabine tranquille, mais l'ambiance est tellement énorme ici au stade qu'on a du mal nous-mêmes à nous entendre alors qu'on est bien insonorisé. Alors là, le troisième carton va reprendre, toujours 39 à 32 pour Madagascar avec Michael VAR qui fait affaire la première remise en jeu de cette seconde mi-temps. Et c'est parti avec Maléran aux prises, toujours avec Ridge. Le duel des meneurs continue. Et l'intérieur qui ressort vers l'extérieur pour Padre qui attaque le cercle. Voilà, beau mouvement. Rebond pour
Pour la Réunion. La Réunion met la balle rendue. On va en discuter entre messieurs Subia et messieurs Chérubin. Et le rebond est effectivement pour l'île de la Réunion. La sortie en faveur des Malgaches. Comme on a entendu juste quelques minutes avant le lancement du troisième quart, le coach réunionnais qui demandait à ses pivots de sortir et d'attaquer le nano. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a remarqué que les joueurs, vu que l'équipe malgache, ils tiennent avec un encontre. Reprise de dribble, oui. Ils tiennent avec un encontre. Et là, qui facilite un petit peu la tâche au grand gabarit réunionnais d'attaquer l'anneau beaucoup plus facilement. Mais quand même, on voit que le 1 contre 1 malgache, ça tient. Ravel Malansou pour la remise en jeu. Il cherche son meneur. Attention aux 5 secondes. C'est bon. Ridge, reprise avec Maléran. Le pick and roll, mais Maléran est toujours sur ses traces. On ressort vers Elai pour le tir en suspension et rebond pour Gara qui relance la machine réunionnaise. Champagnac, deux au cercle, ligne de fond, il ressort. On va faire tourner vers Maléran. Angle zéro pour Mikael Var. Le tir à 3 points n'est pas concluant et Ridge repart avec la balle. Voilà. Très rapidement le terrain. Et... avec le drive de Ravel Mansou. Gara qui est là, mais qui va perdre la balle. Pas évident pour un grand de remonter la balle. C'est pas évident pour un grand joueur. Il aurait dû aller chercher Maléran. Ouais. Même son arrière. Faire, voilà. Et remonter le ballon avec une passe. Et le chrono qui continue. Oui, la balle n'est pas en jeu. Le chrono devrait s'arrêter. Et là, on perd quelques précieuses secondes. Les officiels ne l'ont pas vu. Ça repart avec Ridge. L'attaque en tête de raquette, le drive. Un peu court. Mais oula, derrière, on est agressif du côté des Malgaches. On va récupérer la balle avec Et Eli. Le 3 points. Ça ne réussit pas. Ouais. Et Maléran pour repartir pour l'île de la Réunion avec Padre. Récupération de front. Mais Ridge récupère seul la ligne de passe. Il est toujours là. Il est toujours là sur chaque contre-attaque et chaque passe décisive. La passe un peu trop basse. Ridge est présent en attaque, en défense. C'est le métronome de cette équipe malgache. D'où le propre du meneur, Jean-Michel. Voilà. Et toujours le marquage sur Maléran. Il le tient. Allez. Padre. Vervar. Aux prises avec Rakuteniri. Et voilà. Il va aller sur la ligne des lancers. Il l'a bien fait dans le deuxième quart. Et là, c'est ce qu'il va travailler à continuer à faire. C'est de travailler le corps à corps dans la raquette et inciter le défenseur malgache à aller à la faute. Et ça paye pour le moment pour Var, très adroit sur la ligne des lancers. C'est Maury qui a commis la faute. Et Var continue son sans faute. Il est toujours sur son 100% avec 9 sur 9. Et le 10 sur 10 pour Mikael Var. Et l'écart est réduit à 5 points, 39-34 pour Madagascar. Mais toujours les Malgaches devant. Ils tiennent toujours comme le bon ça bout. Depuis le début de cette rencontre. Ça marche. Ridge qui demande le système, le pick and roll. Et la faute sifflée contre le sweet. Waro. Bastien Waro. Je vois le pas... C'est pas le 8, c'est le 7. C'est le 7. Ouais. Mais il a montré bien. Vous avez tous vu qu'il a montré le 8. Le point et le 3. Et on va régler tout ça. Voilà. Exactement. J'avais bien vu.
Ils cherchaient tous le 8 sur le drain, n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Je pense que monsieur l'arbitre est un petit peu fatigué, je pense. Allez avec Ridge. À 3 points, Farala, elle est un peu court et le rebond pour Maléran. Allez, on emballe la rencontre. Il va aller percuter le mur rouge et perdre la balle. Et pour une fois qu'il n'avait pas Ridge dans ses baskets. C'est un gros match dans le match. Ridge et Valéran. Ridge du côté de Madagascar, Valéran du côté des Mignonnais. À 3 points, Ridge. Il a essayé. Et on va aller en compte du côté de la Réunion. Et faute à l'opposé du numéro 14, Ravel Malansou. Et M. Soubia qui montre... On s'explique. Petite voilà. Faute, mais faute quand même. Qui fait bien la démonstration. Et déjà sa quatrième faute pour Ravel Malansou. Le 14 qui va aller s'asseoir sur le banc. Ça aussi, ça va peut-être compter. Parce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. 17-30 encore à jouer, Jean-Michel. Benito, quand on regarde du côté malgache, le banc a tourné, ils sont 10 joueurs à avoir scoré. Donc le danger, encore une fois, c'est qu'il est dangereux. Ça vient de partout dans ce genre d'équipe où tout le monde arrive à scorer. Allez, lui. C'est l'un des meilleurs marqueurs. Et il le fait avec 3 points. De la rencontre, Mickaël Vaar. Mickaël Vaar qui s'est substitué en meneur, c'est lui qui était un extérieur moderne. Exactement. Très fort sur la ligne des lancers, très fort également à 3 points, on vient de le voir. C'est 15 un indien points fort, hein. Déjà pour lui. La défense derrière. La réponse. C'était marché, sifflé par l'arbitre Benen Soubia. Et on le voit. Facilement. Oh, joli step mouvement back. Et le panier derrière, 3 points. L'écart n'est plus que de 2 points, messieurs. Ouais. Voilà. La Réunion qui reprend confiance dans ce troisième quart-temps. Avec Padré, notamment grâce à une rotation et à son jeu intérieur. Et le ballon sera revenu. Quel de balle. De Réunionnais. Là, on peut dire qu'on est dans une ambiance de finale. Avant avec, voilà, avec le score que maintenant et qui est vraiment collé à uniquement de 2 points et on espère voir la même chose dans le quatrième quart et on peut que voir le match nous tient vraiment à la laine. Les visages tendus du staff technique réunionnais. Rich qui demande le pivot en bloc. Avec Elay qui va subir la faute. Faute réunionnaise. Pas encore de la pénalité. C'est Padré, je crois qu'il a commis la faute. Alors on se... très belle image. On s'explique au niveau réunionnais. Voilà les gars. Je pense que c'est ça qu'il doit se dire. La solidarité. On se ressaisit et on continue. Revenir. On a fait un beau travail et on continue à faire le même travail. Vous avez vu ce que. Ridge a fait. Il ne trouvait pas un partenaire démarqué et il a lancé la balle carrément sur le défenseur réunionnais et il obtient une deuxième possibilité de remise en jeu qui fonctionne. Il est rusé celui-là. La faute de Padré. Sa deuxième faute consécutive pour le numéro 9 réunionnais. Voilà. Maintenant, il a bien montré le numéro 9. Quoique. Le 9 a zéro faute sur le tableau. Et ça a été attribué, je pense, à Da Silva. Attendons voir, celui-là n'a pas encore été affiché au tableau. Quoi qu'il en soit, et là, il est sur la ligne des lancers. Pour donner maintenant. Non, je crois qu'il y a une petite erreur au niveau du 4 points d'avance à Madagascar. Ouais. Allez, Gara qui prend les choses en main avec Padré. On fait tourner, ligne de fond. Joli mouvement, on ressort de l'autre côté vers Mickaël Vaar, l'homme en forme. Mais cette fois, pas de chance pour lui.
Naval sous la conduite de Ridge. Oh. Qui va chercher le pied de l'adversaire pour récupérer la balle. 4 longueurs d'avance pour Madagascar, 5,54 encore à jouer dans le troisième carton. Et retour sur le terrain de Maléran et également de Loïc Loratête. Madagascar ne cède pas. Ils subissent, mais ils ne cèdent pas. Allez avec Fabrice. Fabrice. Vers Faralail, le tir est complètement manqué. Et les Réunionnais peuvent repartir pour réduire le score. Gara. Pas osé prendre le shoot. On ressort vers Loïc Loratet et bingo! Très joli. L'adresse qui revient du côté réunionnais. Oh. Et rien qu'un point d'avance pour Ridge et ses coéquipiers. C'est du bien au spectacle. Le match qui s'emballe. Allez, peut-être la réponse. Non, il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Derrière, oui, c'est bon. Si, 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 la réponse est venue du côté de l'aile droite. Les pistoleros sont de sortie, messieurs. Et le public malgache qui chauffe maintenant le stade. VAR qui prend les choses en main. Gara. On tourne. Attention, il est chaud lui. Gara, 3 points. Ouh, c'est bon, mais est-ce que. Oui, ça. Le panier sera comptabilisé. Il y avait une faute offensive, je pense. Alors. Il a été sifflé avant. Que va dire les arbitres? Je pense que la faute a été sifflée avant. Non, non, c'est faute défensive. Et le panier est accordé. Voilà. Si. Voilà. Le panier n'a pas été accordé. Donc la faute a été vraiment une faute offensive. Ouais. Oui, offensive. Et quand même, moi, j'avais pu voir. Heureusement que vous n'êtes pas l'arbitre, Gary. Si, si, ça a été, si, ça a été accordé. Merci, Gary. Quel œil. Voilà, voilà, on reconnaît l'œil du spécialiste maintenant. Allez, ouais. Bravo à Gara qui a marqué son 4e point. C'est deuxième tentative pour lui, cette fois-ci ça ne rentre pas. On ressort, et il attaque. Il a plusieurs cordes à son arc, mais n'arrive pas à marquer le panier. Ridge relance la machine, malgache avec Livio qui joue vers l'aile. Et on ressort vers pour Livio. Livio. Et on ressort. Et là, le pump fake, ouh, pas de faute, et si l'arbitre prise à deux, Ridge... qui très va bien perdre joué. La balle et certainement va et là, pour ça va le du spectacle. Ah non, il va aller tranquille. Monsieur VAR. Et pour la première fois depuis le début de la rencontre, c'est la Réunion. De petit ouais. C'est la Réunion qui prend l'avantage. Oui, effectivement, Jean-Michel. C'est le tournant. C'est le tournant maintenant avec la Réunion avec un point d'invention Madagascar. Et c'est ça le plus important. Et le ballon sera remis. Pour Réunion. La première fois. Après 26 minutes à peu près. 26 minutes. Les Réunionnais. Deux quarts. Champion en titre des Jeux des Îles qui prennent l'avantage. 45 à 44. On l'a dit, le troisième carton décisif, bien souvent. Et là, ça a permis aux Réunionnais de revenir de la rencontre avec peut-être l'occasion voilà. De donner plus d'ampleur à cet écart. Voilà. Il commet la faute. Voilà, il y a eu cette première perte de balle de Ridge et il a pris un coup au moral. Il essaye de se rattraper en voulant bien faire. Il commet la faute. En tout cas, il peut se permettre d'aller à la faute dans le troisième quart. C'est ça, la première faute qu'il fait. Hein. Oui, changement. Et je vois que les Réunionnais ont fait entrer le numéro 16 qui est l'entrée du zéro. Solondran. Du côté de Madagascar et Thomas O'Haro qui est un meneur donc pour venir en support à Maléran. Voilà. Toujours là Maléran avec le raté. Gara
reprise avec Solomran qui vient de faire son entrée. Et l'homme fort de ce match. Var aux 3 points. 7 mètres. Ah, il est chaud, il est chaud. Il est chaud bouillant, les gars. 17 points pour lui. Et c'est lui qui emmène l'effectif rayonnaise. Mieux même, il est à 20 points. Super panier. Il est chaud. Ouais, du beau spectacle. Tout comme Gary. Avec Livio qui n'a pas osé prendre le shoot à 3 points. Ridge. On ressort vers Livio. Le jump shot. Le jump shot. Très adroit. À mi-distance, Livio. ...48-46 pour les coéquipiers de Maléran et de Waro avec le ballon. Et là, il y a eu un changement de marquage. Ridge s'occupe à marquer Waro. On raccourcit la distance et Solomran qui prend le rebond pour Ridge. On demande l'écran de Solomran. Livio. Attaque ligne de cercle, on ressort vers Eli et oh là là. Ce sera retour en zone. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce sont de mauvaises passes qu'on n'a pas vues du côté Magache. Oui. Premier et deuxième quart-temps. Et un troisième quart-temps, il y a une certaine... aussi quand même sur une jambe de la part de Livio, c'est fort aussi. C'est fort. Il y a une certaine fébrilité de la part des Magaches. Ils subissent la pression réunionnaise, très grosse pression des Réunionnais. Mise en jeu donnée par Monsieur Benan Soubia. Avec Maléran. On prie cette fois avec Eli. Et on voit que VAR n'a pas la tâche facile dans la raquette. Faute défensif du côté malgache. Et deux tirs pour Monsieur Mickaël VAR. Monsieur Lancé Franc. Monsieur Lancé. 20 points pour lui. Qui est toujours à 100%. Seule la ligne des lancers. Il nous a marqué combien? 12 lancés francs. 12 s'il réussit. Oui. Avec ce tour, le super tir à 3 points. Qui a et le tir. Voilà, il continue. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer, les lancers francs. Surtout dans un match comme ça. On l'a vu, certainement, vous parlez de l'équipe de Maurice, notamment face aux Comores. Voilà. Et voilà. Face également à Mayotte. Est-ce que c'est des points qu'on vous donne, qui pénalisent l'équipe d'un côté avec la faute, et aussi qu'on vous donne aller à marquer. Et c'est ce que les joueurs doivent faire. Marquer les lancers. Et des fois, allez, Madagascar qui tente de revenir, oui. Avec un point d'écart, il suffit qu'un point pour gagner un match. Il avait le pied sur la ligne, Ridge, même s'il n'est pas d'accord. Ils accumulent les fautes, les Madagascar. Monsieur Sharif l'a signalé et ce sera remis en jeu pour l'île de la Réunion avec Maléran. Alors que le chrono est figé, messieurs. Oui. Ici aussi sur le tableau. On compense un petit peu les secondes. Oui, mais là, c'est pas bien du tout. C'est exactement Jean-Michel. Surtout à ce maintenant, moment. C'est maintenant que le chrono se déclenche. Allez. 3 points, non. Avec Ridge. Eli. On va trouver la solution. Ressort le Livio ballon. Livio à 3 points. Le pump fake, qu'il se rapproche. Il trouve le cercle. Solomran qui ressort vers Eli. Et derrière Solomran. Voilà qui a été bien fait par les Malgaches. Ils ont faussé les Réunionnais à se découvrir en défense. Et finalement, c'est à l'intérieur que le danger est venu. De l'intérieur. Avec Solomran très remuant. Il prend le rebond. Ah, il apporte de l'eau au moulin. Il n'y a que 2 points Alpha d'écart. Amol Solomran. Ridge. Qui attaque le cercle, il ressort à 3 points. Oh, bon. C'est Madagascar qui repasse devant maintenant.
Le mano à mano commence. Et le stade qui s'enflamme, le public qui s'enflamme. Et on entend les supporters malgaches. Il aura tête peut-être pour calmer tout ça. Non, va. Qui va répondre. Tête de raquette. Et non. Solon Dranaï, rien qui reprend le ballon. Ridge, on ressort vers Livio. Le 2 à la suite. Non. Rebond pour Var et Maléran. Attention. Ah. Il me semble qu'il y avait reprise de dribble. Mais... voilà, on essaie de jouer le chrono. 8 secondes, un différentiel de 8 secondes entre les deux chronos. On attaque l'anneau, on décale. Et la dernière possession sera pour Madagascar qui peut encadrer et essayer d'augmenter son avance. Tranquille, la superbe voilà passe. Un petit flottement, un gros flottement. Et la finition. Tranquille, la défense. Vous avez vu comment ça s'est parti vite. Dès que Ridge a eu le ballon, deux joueurs étaient déjà dans la raquette, dans la zone avant. Dites-moi, messieurs, on n'a pas vu le temps passer. Surtout, il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de temps mort. Durant ce troisième carton. Effectivement. Parce que les coachs, je pense qu'ils préfèrent garder les deux temps morts. Rich qui attire l'attention, il ressort vers Livio à trois points, malgré que la passe est dans les pieds. Exactement. Il arrive à se situer, à reprendre pour marquer un superbe panier à trois points. On écoute les bons. On les quatre. Non, tu restes sur le terrain. On va te rouler un peu avant de sortir. Ok. Ça nous l'a les quatre. Ah, ça m'en a là. Ah, ça fait la masse. Voilà les quatre. Prive Paul. Ramandez mon écran. Beta stick. Ah, stick. Quand tu dribbles, quand tu as la solution de passe, c'est là que tu arrêtes de dribbler. Ok, ne panique pas. Oh. On a compris la dernière partie, Jean-Michel, mais avant. Bon, là, je perds mon latin. Il y allait un peu trop vite. Mais en tout cas, c'est tellement qu'il a dit à ses joueurs de poursuivre sur le lancer, surtout de ne marquer les points, alors qu'on revoit la passe laser de Ridge vers Eli, tranquille sous le cercle avec le panneau. Il marque deux points supplémentaires pour donner une avance de trois points à Madagascar à l'entame de ce dernier carton qui s'annonce de feu, messieurs. Avec Livio qui va certainement rester sur le terrain pour apporter ce plus qui manquait à l'équipe de Madagascar, surtout durant la première partie du troisième quart-temps. Les Malgaches se sont repris pour remporter le troisième quart-temps, mais de peu. Effectivement, Livio avec ses 12 points, il a fait beaucoup de bien à l'équipe malgache. Il y a également Eli avec 13 points, ce sont les deux meilleurs marqueurs. On le revoit encore une fois, 3 points, long rebond de Padre. Avec Maléran, reprise avec Livio cette fois. Ensuite, on a oublié le joueur et tranquille sur le cercle et le panier sera accordé. Le panier sera accordé, même si Botou, le malgache, n'est pas d'accord avec Benon Subia. Mais le panier sera accordé. Goaltending, comme on dit. Exactement. Donc, il y a eu on ce petit flottement lorsqu'il y a eu le switch. Ben... le ballon. Je pense qu'il a touché le panneau avant, le contre. Enfin, ouais. Allez. Les Malgaches sont toujours en tête avec Livio qui va hériter de deux lancers francs. La faute de Da Silveira sur lui. L'occasion pour lui de remettre au moins les deux équipes
à égalité parce que Madagascar concède. Ah non, Madagascar mène toujours pas. Donc c'est de creuser l'avantage pour Madagascar. Ouais, un peu long. Et là, on ressent un petit peu la pression sur Ratian Arrive, qui veut emmener son équipe en finale. Lui, le MVP de la dernière édition de la CCOI, zone 7, disputée aux Seychelles l'année dernière. Avec la facile pour voir derrière. Ah, ballon. Il accepte le contact, il fait la passe derrière vers VAR. Qui ne commet pas d'erreur, le meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points, Mickaël VAR. Mais la réunion à 3 points, 0 degré. On vous le disait, c'était l'homme à surveiller du côté de Madagascar. Et là, on voit tout de suite ses ambitions. 16 points pour lui. Entrée en cours de jeu, Livio. Voilà. Le sixième homme de cette équipe malgache. Mais c'est pas fini avec Da Silveira. Avec la planche, et c'est bon. Toujours aussi serré, voilà. Angle zéro. Son spot à lui, et ça fait switch. Botou. On fait tourner du côté malgache. On essaie de chercher la faille. Interception de le rater. Mais la ballon restera toujours dans les mains des malgaches. Exactement. Avec la zone que fait les Réunionnais, je pense que les Malgaches vont aller chercher les tireurs de 3 points, oui, comme Ratian Arrive. Et ainsi avancer plus avec l'écart. Voilà, court, difficile, mais derrière Botou traîné en ligne de fond, il va récupérer la balle et la faute également. Deuxième faute des Réunionnais. De lancer franc. Ça, c'est le tir complètement loupé. Et puis... Mais il est passé par là, Botou. Bien nuant, on l'a pris. Et Gara qui fait son retour sur le parquet. Le numéro 23 de l'île de la Réunion. Pour peut-être donner plus de sécurité dans le secteur intérieur réunionnais. Premier lancer raté. Le second est bon. Deux longueurs d'avance pour Madagascar à 8-0-5 de la fin de cette rencontre. Comptant pour le groupe A, le vainqueur terminera en tête et affrontera Maurice vendredi, ici même au gymnase de Phoenix, en demi-finale. Bon. De cette compétition de basket comptant pour les Jeux des îles, Gary. Prise à deux sur Livio qui réussit à trouver Botou sur le cercle. Il se fait contrer par Lano, mais la balle va être récupérée par les Réunionnais avec Rich. Fait la passe tranquille, ligne de fond. Ça ressort. Pas de chance, mais traîné par là, elle va pouvoir reprendre son rebond. Grosse présence malgache dans la raquette réunionnaise. Ici, ils sont pris à au moins trois occasions. Mais... Et on ne verrouille pas du côté réunionnais malgré la présence de VAR, malgré la présence de Cara. Et la Réunion qui doit revenir encore une fois à l'Eurostep. Oh. C'est joli. Et la faute. Une faute peut-être, je dirais inutile. Faute sûre. Valérand, je pense qu'il était en déséquilibre. Je ne vois pas ce qu'il aurait fait vraiment avec le ballon. Quitte à le lancer. Voilà, mais il a été assez rusé, intelligent pour, comme on dit, chercher la faute. Et il a obtenu donc de lancer pour Malerand de la Réunion. Déjà c'est un point pour lui. Oui, c'est un match 7. Qui tient toutes ses promesses. Surtout depuis le troisième quart. Oui. Ça s'est emballé à partir du troisième quart. Effectivement. Allez, on espère que ça ira crescendo encore plus. Et le lancer réussi. Avec le premier lancer réussi. Le second également.
changement du côté réunionnais. C'est Malheran qui a... qui sort. Ouais. Et la rentrée de Richardson le 21. Les Malgaches à l'attaque avec Ridge. Reprise avec Padre. Demande l'écran de Rakotenirin. Quoi ? Très court. Ballon dans les mains de Gara qui relance rapidement sur l'aile. Aïe, aïe, aïe. Et ce sera retour en zone. Complètement démarqué. Il ne l'a pas vu et c'est une occasion gâchée. Ses coéquipiers ne l'ont pas vu. Il était invisible à ce moment-là. Livio qui va prendre possession de la balle. Ridge également, un saut pour reprendre un peu. Et Teddy Massian qui fait son retour sur le parquet, le 7, le Mario Teddy Massian. C'est sûr qu'il sort pour s'essouffler un petit peu. Avec Maury, Teddy Massian. Tacle le cercle. Rakotenirin, prise à deux. Et un peu trop tard. Les 24 secondes se sont écoulées. Ça, c'est manque de concentration quand même, Jean-Michel. Oui, mais peut-être que dans le feu de l'action, il n'avait pas vraiment les yeux sur le chrono. Allez, c'est bon pour les réunionnais avec Mickaël Vahr, Damien Gara. Exactement. Et faute offensive. Benon Sebia. Bien vu de la part de Benon. Salué comme il se doit par le public ici à présent au gymnase de Phoenix. Mais quand même, le combat il était 50-50 quand même. L'arbitre a toujours raison, Gary. Ouais. Malheureusement, il faut donner toujours raison aux arbitres. Heureusement. Allez, encore 6 minutes de plaisir ici au gymnase de Phoenix. Madagascar qui mène de 2 points, 60 à 58, mais c'est pas encore terminé. On va entrer dans le money time et lui, il sera bien et présent. Le remontez rayonné maintenant. Il a manqué ce panier avec Padre vers Laura Tête qui ressort pour Richardson qui attaque l'anneau et panier. La Réunion qui recolle le score, 60 partout. Et dans la famille Richardson, on est aérien. Ah oui. Très beau match. Joli attaque ligne de fond. Et la balle. Et le numéro 28 qui est quand même démarqué. Voilà, on revoit l'action. Une action d'école, comme on dit. Attaque ligne de fond, on ressort tranquillement. Tranquille, tranquille, à l'aise. On profite du passage déjà au vert pour marquer. C'est le cas de Richardson, tranquille avec le panier. C'est ce que le coach réunionnais disait. Drive. Drive. Allez-y. Drive. Easy, okay. Allez-y. Exactement. En un contre un. Avec beaucoup d'agressivité, tout en restant dans les règles du fair play, bien voilà, sûr. Voilà, c'est ce qu'il va refaire encore une fois. Il ressort. Gara, Laura Tête à 3 points. Il et peut le marquer lui aussi. Ça ressort, rebond. Et le rebond de Vahr qui est partout. Heureusement pour l'équipe de Lucerne, mais il va perdre la balle avec peut-être un petit dunk. Oh, ah, il va aller tranquillement, déposer. Le plus important, c'est de mettre les 2 points, surtout à ce moment crucial de la rencontre. Dans les 5 dernières minutes. Deux fautes successives commises par les Réunionnais. Ouais, il y a eu ce manque d'attention de Vahr qui s'est fait subtiliser la balle. Et voilà, une mauvaise... Temps mort demandé par l'île de la Réunion. C'est logique. Ah oui, c'est logique. Hein. Quand on part deux fois en attaque et on se fait bêtement reprendre le ballon, là, il faut tout de suite réagir avec Sam un temps mort. Sam pour Joanne. D'accord ? Ok, toi, t'hésites pas, mon grand, t'hésites pas, ok ? Il faut qu'on ait sur du mouvement, pareil. On reste sur du mouvement en attaque. Sur du 2... Du 2, le deuxième qui reçoit la balle, il n'utilise pas le pic. C'est-à-dire que l'intérieur, il part à l'opposé. On lui ouvre la ligne de tir. D'accord ? C'est bon ? Ok ? On passe sur 2. Au moment où le deuxième reçoit la balle, le deuxième ailier, l'intérieur du côté au poste bas, il s'écarte. Et lui, il joue sur la ligne de fond. Il ne joue pas sur le pic. Il ne joue pas sur la ligne de fond. Il va prendre la balle
comme ça et après il attaque ici. Il attaque par ici, ok. Florent, il y a un backlink avant qu'on parte, non? Oui, il y aura un, pic. Vous l'utilisez si vous voulez, ok? Vous l'utilisez. Et en défense, on marque 2, 2, 1, 2, 3. On reste 2, 3. 2, 3, ok? 2, 2. Ensemble. Voilà, les consignes sont données du côté dans le clan rayonnais. Défense 2-3, défense en zone. Et toujours. En attaque, essayer de trouver des ailiers démarqués qui vont prendre des tirs ou alors aller. Et surtout, de ne pas hésiter, comme le coach vient de dire. Bien sûr. Et d'aller attaquer l'anneau. Même si les réunis doivent faire attention au nombre de fautes, déjà 3 fautes d'équipe avec Ridge. Qui a trouvé tranquillement Boutou en ligne de fond. Lui aussi, il apporte de l'eau au moulin malgache. Très bonne vision de jeu. Bien fait. Il ressort avec le 3 points. Il le met. Son deuxième panier à 3 points pour le 11 réunionnais. Il est chaud, Loratet. Rien que petit point d'avance pour Madagascar, 64-63. Avec Ridge. La réponse de Livio. Ça trouve le cercle, mais le rebond pour Botou. Avec Livio Ridge. C'est dommage, les Malgaches, ils ont abdiqué. Pour le 1 contre 1, où ils peuvent provoquer des fautes et prendre des tirs à mi-distance, mais il leur manque de la réussite. Voilà. Il manque de réussite, évidemment. Lui, il sait mettre des paniers avec Gara. Il va aller le faire. La relation entre les extérieurs de cette équipe réunionnaise qui marche et la Réunion qui reprend l'avantage à 3-18. De la fin de ce quatrième et dernier carton avec Livio. Il n'a pas réussi à trouver son coéquipier. C'est reparti avec Damien Gara qui envoie la balle vers Loratet et derrière Livio qui était revenu mais qui au préalable a touché le ballon avec le pied. Oui, a touché le ballon avec le pied. Et le ballon sera remis au Réunionnais. Changement. Le retour sur le terrain de Da Silveira à la place de Gara. On revoit le joli move de Richardson. La passe tout seul dans un fauteuil. Loïc Loratet. Qui ne se fait pas briller pour marquer son deuxième panier à 3 points. Et Maléran qui est de retour lui aussi. Et on voit toujours le duel Ridge Maléran. Dans le money time. Ça va coûter cher tout ça. C'est le match dans le match. L'attaque de Rich, l'Eurostep, la passe. En backdoor. Et Boutou qui conclut tranquillement. Maléran à 3 points. Airball. Ça sera à côté. Et le ballon pour les Malgaches. Pour les Malgaches. C'est ce qu'estime le troisième officiel, le Comorien Al-Sharif. Temps mort. Effectivement, temps mort demandé par l'équipe malgache. Avec la Réunion qui mène maintenant avec un point d'écart, Benito. 2,55 de la fin de cette rencontre, messieurs. Michel, percuteu, ti, como sa, ramazo, vet, como sa, ida, ravam tanto, só lhes antes mas tumbo, mas o leporto de imediato, mas o leporto de imediato, ale,
Voilà, c'est ce qu'il a à dire à ses joueurs. Il faut percuter, il faut fixer. Il compte beaucoup sur Botou pour marquer des paniers. Ouais, le 28. Le 28. Auteur déjà de 12 points. Mais le meilleur marqueur du côté malgache, c'est Livio, le numéro 6. Avec Ridge, le métronome de cette équipe, le meneur. Le drive. Il va y aller. C'était un peu compliqué. Ouais. Et on cherche le meneur rayonné. Ils sont toujours devant. Qui ressort avec le raté. Point, 3 points. Trop court. Et on repart avec Botou justement. Et la faute plus le panier derrière. La faute de Mickaël Var selon Leslie Chérubin sur Botou qui va aller sur la ligne des lancers pour peut-être une action à 3 points. À 2,26, on revoit la pénétration de Ridge. Le loupé de Ridge. Un peu compliqué pour le meneur de jeu malgache. Mais quand même, là, je dois dire que la faute... Tout cela est dénoncé, c'est pas fameux, mais cette fois, c'est bon. C'est bon, voilà. Comme je disais, la faute de Mickaël Var était un petit peu, on va dire, mou. Surtout lorsqu'il reste 2 minutes, 20 secondes, et qu'il n'y avait que 3 points d'écart, 2 points d'écart. Mauvaise passe, mais la balle est récupérée quand même par Richardson. Reprise avec Botou. Mickaël Var à 3 points avec la planche, mais ça ne rentre pas cette fois. C'est vraiment dommage, pourquoi il ne joue pas. Deux dernières minutes de la rencontre, 2 points d'avance, Jean-Michel, pour l'équipe de Madagascar. Je ne comprends pas pourquoi Var ne va pas... Avec Ridge qui glisse. Il ne va pas causer plus de taux dans cette défense malgache. Des limites... Il avait bien joué dans la raquette. Là, on voit qu'il ressort et qu'il va au tir maintenant. Exactement. Je pense qu'au contraire, avec sa présence physique, c'est sûr qu'il aurait fait énormément de mal, surtout dans les 2 dernières minutes où on est un peu à bout de force. Voilà. Le ballon qui voyage rapidement. Et Botou qui termine. Comme demandé par le coach, le malgache. Fin connaisseur du basket régional. Un vieux de la vieille quand même, Jean-Michel. Oui, on peut le dire. Alors, on va essuyer tout ça pour éviter des blessures. Humide. Des glissades. Parce qu'on se blesse facilement sur un sol. On l'a vu lors du match entre Mayotte trempé. Et la Réunion, chez les dames, avec une victoire à la fin de l'équipe réunionnaise qui terminera première de sa poule et qui affrontera l'équipe de Maurice. L'équipe de Maurice, effectivement. Ce sera l'équipe féminine de Maurice. Malérand qui sonne la charge pour les Réunionnais. Avec le raté qui décide d'attaquer le cercle cette fois à 2 points. Le rebond. De réussite, mais le rebond et la faute surtout de Solondran sur Da Silveira. Qui aura l'occasion d'avoir deux lancers. Et là, on voit plus Da Silveira qui travaille dans la raquette. Même pas. Pas encore de la pénalité du côté de Madagascar. Ce sera retour à la ligne. Avec Malérand. Avec Da Silveira. On ressort vers la tête. À 3 points. Il est chaud. Non. Un peu long cette fois. Et la balle est récupérée. Pas de retour en zone selon les officiels. Evar qui rate peut-être un panier le plus facile. Il y a retour en zone. Cette fois, le retour en zone sera sifflé. Bienvenue, messieurs, à 1:15 de la fin de cette rencontre. Rien n'est encore terminé, même si Madagascar mène pour le moment de 2 points. Les Réunionnais n'ont pas encore abdiqué. Attention. Est-ce qu'on aura peut-être une prolongation, Benito? Restez avec nous pour le savoir, Gary, avec Livio. Aux prises avec Loïc. Prise à deux même avec Solondran en tête de raquette. Un peu long rebond derrière de Livio. On va faire tourner le chrono. On va jouer 5 secondes encore. On va chercher quelque chose de facile avec Ridge. Mais le rebond derrière effectivement de Botou et Ridge qui va pouvoir travailler. Deuxième chrono de 14 maintenant pour Mané Magache. Un petit différentiel de 35 secondes entre les deux chronos avec... Et là, et le panier.
Attention, 37 secondes. Le tir en suspension en backdoor qui fait mouche. Et tant mort demandé par les Rayonnais. Bien évidemment, deux possessions d'avance maintenant pour les joueurs de Touj. Et tant mort demandé par les Réunionnais. Mike, Loïc, Chupi, tu reçois la balle là, d'accord. Loïc, c'est toi qui viens porter l'écran. Mike, tu reprends, tu joues l'écran, et là c'est ma main. Mike a tout le milieu. Moi je prends la balle et je fais la main. Voilà, ma main pour Mike. Mike a tout le milieu. Tout le milieu, vous vous écartez. Octavio, tu portes l'écran, tu t'écartes. Nelson, tu restes là en repli. Loïc, après ton écran, tu reviens, tu t'écartes. Okay, peu importe, tu t'écartes. Okay, Mike, tu l'as dans le milieu. Okay, Mike, derrière, c'est Mike, derrière, exactement, Michael va. Ouais. Mike. Ok, ouais. Mike et Jordan. Mais il faudra se méfier énormément des Réunionnais qui ont joué un très mauvais tour au Seychellois. Exactement. Hier, à 3 secondes de la fin, ils étaient menés. Avec un buzzer beater de folie. Donc, le panier peut-être de la compétition, l'a vécu en direct sur la chaîne de l'Artois. 37 secondes, c'est long en basket. Avec Nelson Richardson qui va faire la remise en jeu, une possession ultra importante pour l'équipe de La Réunion pour revenir voilà, à un ou deux points. Avec VAR, tête de raquette, on ressort vers Da Silveira, 3 points. Un peu long et le rebond pour Da Silveira. Et le 3 points. Et le bon point de Malheron. Qui creuse l'écart maintenant. Qui permet à son équipe de revenir. 26 secondes. Qui revient. À un point. À un seulement point. Désolé, Benito. On vous comprend. Donc, logiquement, les. Le rebond long. Pris par Da Silveira qui ressort tranquillement vers Malheran et lui ne se pose pas de questions et ça fait ficelle. Et à 25 secondes de la fin de, cette rencontre, Mada qui ne mène que d'un point. Logiquement, le coach devrait donner des consignes pour jouer les 24 secondes, garder la possession pendant 24 secondes. Ouais, que faire, du côté réunionnais? Est-ce qu'on fait la faute? C'est sûr. On provoque la faute pour aller mettre le joueur à la ligne. Et s'il réussit les deux lancers qu'il a, donc. Tenter le tir à 3 points derrière. Ou sinon, tenter le tir à 3 points. Vous entendez le public, il est chauffé. Le malgache qui chauffe, qui continue à chauffer et de pousser. C'était très important aussi à noter, c'est que les Malgaches n'ont fait que deux fautes d'équipe. Ils ont encore deux fautes à donner. Ouais. Oui, il faut dire qu'ils pratiquent un jeu relativement très propre. C'est-à-dire, en termes de fautes, ils ne commettent pas beaucoup de fautes. Avec Fabrice sur Livio. Voilà. Rich, voilà, même pas siffler. Il résiste. 18 secondes. Il y a faute de VAR. Allez, depuis la zone avant, il y avait faute. Hein. Non sifflé. De lancer. Voilà. Et Rich qui n'a marqué que 2 points depuis le début de la rencontre. Oui, il a battu un gros travail, comme on dit, dans l'entrejeu. En défense. Et qui va aller à la ligne pour la première fois, Benito. Le travailleur de l'ombre, mais ô combien essentiel pour cette équipe malgache. La pierre angulaire, on va dire, du jeu malgache. Ridge, le meneur, le second droit. Très bien vu, Benito. Est-ce qu'il va permettre à son équipe d'avoir quelques... Bien sûr, avec beaucoup d'assurance. 2 points d'avance. 2 points maintenant. Avec les filles malgaches qui sont restées pour soutenir leurs camarades. Et ça va faire une possession à 3 points d'avance pour l'équipe
de Madagascar est temps mort demandé bien sûr pour remonter la balle du côté réunionnais. Il restera 17 secondes pour égaliser. 17 longues secondes dans un premier temps. Même situation qu'avant, la même remise en jeu. Nelson, Sa, Octavio, Loïc, Mike, pareil. Ok, tu portes écran, tu utilises Mike au main à main, d'accord. Sam, après le main à main, tu continues. Loïc, tu vas là. Nelson, tu restes là. Tu restes là, d'accord. Emmène ton joueur avec toi. Ok, c'est Mike, c'est toi qui as la priorité là. Sur le... C'est qu'il y a Loïc qui est là, Sam ici. Ok. Si j'ai bien compris, on va jouer sur 20. On y va pour le 3 points. On y va pour le 3 points. 9, 7, 4 Effectivement, on va... Confirmer, on y va pour égaliser. Égaliser avec... aller à la prolongation, ouais. S'il faut. Mais quand même, la remise en jeu sera la même que celle précédente pour... Mais est-ce qu'on va prendre le tir rapidement? Alors... On va jouer les 17 secondes. Déjà, les 17 secondes, ça va... Allez. On va savoir très rapidement, Gary. Allez, avec le 21, justement, Nelson Richardson vers Da Silveira, Malheran. Mais la balle sera toujours dans les mains des joueurs réunionnais avec Nelson Richardson pour une nouvelle remise en jeu à 14 secondes de la fin de cette partie entre Madagascar et l'île de la Réunion. 3 points d'avance pour Madagascar et une faute sur Mikel Vaar. Oui, donc, de Botou, le 28. C'est encore de la pénalité. C'est le cas de dire, c'est une bonne faute. Parce que Vaar est très dangereux sur les tirs à 3 points. Donc ils ont encore une faute encore à donner. Une faute malgache. Qui ne... Très bien joué, de Botou. Allez. Troisième remise en jeu pour Nelson Richardson vers Malheran. À 3 points, Malheran, il est chaud et il est marqué. À 5 secondes de la fin, Malheran. Et le 3 points. Le 3 points que le coach réunionnais cherchait. Le 3 points qu'il cherchait. Le clutch player, Gary, de cette équipe, le meneur de jeu. Il a bien dit en plus, on va aller à la, au panier. Son deuxième panier à 3 points. Durant cette seconde mi-temps et 71 partout, on va revoir encore une fois avec Malheran en prise avec Rich. Voilà. C'est lui du qui soutien de Vaar. Au départ de l'action et à la on le switch pas sur la défense. L'écran bien utilisé. Qui fait qu'il se démarque facilement de Rich. Ok, laisse nous sortir la balle. Laisse sortir la balle, s'il cherche, on ferme tout. Il n'y a pas de passe à l'extérieur. Ok? C'est bon? Sur les écrans, vous pouvez changer. Ok? Toi, tu le gardes au cul, le 53. Ok? Hey. Communiquez! Vas-y, maintenant. 9-7-4! Ensemble! Pas de faute. Pas de faute. On va essayer. Changement tactique de maintenant dans la défense avec un man-to-man. Et Malheran sur Ridge. Et les consignes ont été directes par le coach réunionnais que Malheran, il reste sur Ridge. Il ne le lâche pas d'une semelle. Allez, on va vivre intensément ces 5 dernières secondes, peut-être du temps réglementaire. On a envie d'aller en prolongation, Benito. On a envie. Logiquement, 5 minutes de plaisir, certainement, avec Livio qui va faire la remise en jeu vers Ridge. On sort vers lui, Richardson. Pas de faute. Et le ballon remis. Et on va jouer la prolongation ici au gymnase de Phoenix. Prolongation. Première prolongation du tournoi. Effectivement. Enfin, si on ne prend pas en considération la première prolongation qu'il y avait eu entre. Il y avait prolongation entre les Seychelles. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Il y avait une prolongation. Et voilà, on se fait gâter aujourd'hui au gymnase de Phoenix, Benito. Et sur la chaîne de l'Artois, messieurs.
avec 5 minutes de plaisir. On l'avait dit dès l'entame de la rencontre, c'était une finale avant la lettre. Au début, peut-être, on était resté un peu sur notre fin avec un début de match en faveur des Malgaches, mais petit à petit, les Réunionnais tenants du titre sont revenus dans la rencontre grâce notamment à Michael Var, meilleur marqueur du match avec 24 points. Et en troisième quart-temps, on a vécu ce mano à mano jusqu'à la dernière possession, jusqu'à ce tir magnifique Samuel Malheran pour le Lille de la Réunion. Dans le vif du sujet à partir du deuxième quart. Et ils ont continué à venir gratter les points et ramener le score maintenant à 71-71. Mais le boulot a été fait. Oui. Effectivement, messieurs, encore 20 secondes à attendre pour le début d'une première prolongation. Attention, il y aura peut-être une deuxième, voire une troisième, mais en tout cas, on savoure déjà ces 5 minutes supplémentaires de plaisir à commenter avec tous les amis de l'Artois cette rencontre entre Madagascar et l'île de la Réunion. L'enjeu, c'est la première place du groupe A. Le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B, soit Maurice. Ce sera vendredi, ici même, à 13h30. Allez, Nelson Richardson pour relancer les débats avec Malheran, toujours reprise avec Ridge. Avec Ridge. Le mano à mano, le match dans le match. Il y a faute, bien sûr, du 25. Eli sur Nelson Richardson. Première faute. Des prolongations. Et maintenant, les Malgaches, ils sont dans la pénalité. Allez, on se bat bien sûr. Et la balle pour les Réunionnais avec Malheran. Le général de cette équipe, il s'est faufilé entre les portes du salut. Malheureusement, il n'arrive pas à conclure. Et le ballon aux Réunionnais sera toujours pour l'île de la Réunion. Non, c'est rendu. En fait, il y avait une récupération défensive. Livio Ridge, maintenant. Allez, demande le système. Sloan Van pour Eli. Ridge. Changement de défense du côté réunionnais. Superbe avec défense. Et la même balade de Richardson pour le qui va aller au dunk. Et qui nous régale ce soir. Et surtout qui permet à l'île de la Réunion de prendre 2 points d'avance. Ridge pour Sloan Van qui fait sauter des défenseurs et qui marque. Tranquillement. Intelligemment bien fait par. Sloan Van, 73 partout. On est en retard sur le chrono, sur la défense. Voilà, 73-73. Allez, c'est bon avec Ridge pour donner plus d'avance peut-être à cette équipe de Madagascar. Il n'a pas osé prendre le tir. Non, il y a encore 12 secondes à jouer. Livio à 3 points. Et il le met, Livio. Il le met. Ça a été intelligemment joué. Livio Ratian arrive. La perle malgache. C'est le joueur qu'il faut surtout pas perdre des yeux, là. Et il y aura une faute sifflée avant par M. Al-Sharif des Comores. On va le revoir et tranquillement. C'est son spot à lui, Livio, on l'a vu. Les pieds plantés dans le sol, derrière la ligne à 3 points. Le ballon sera rendu au Malgache. Et Madagascar qui est devant. Et c'est la quatrième faute également. À la ligne. La quatrième faute également de Var. Attention. Est-ce qu'on va le laisser sur le parquet du côté de l'île de la Réunion, en sachant que c'est un pion important.
C'est Tassin Vieira qui sort et VAR est toujours sur le terrain et la rentrée. Le retour de Damien Gara. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, allez, il sait qu'il a 4 fautes. Il ne va pas essayer d'en commettre la cinquième pour sortir. Vous savez, dans le feu de l'action, Gary. Mais les Malgaches sont assez très intelligents. Dessus. Et entre-temps, le premier lancer a été marqué par Livio. C'est sûr qu'ils vont vouloir le sortir, Mikel VAR. Les Malgaches. Pour le second lancer. Et le. Non. Un petit peu trop rapide. Ça repart donc avec Malheran. Allez, Malheran prise avec Livio. Nelson Richardson. VAR. Pas de faute sur lui. Est-ce que. Un Malgache a touché la balle, non, estime M. Leslie Chérubin. Et M. Chérubin qui donne des qui avertit verbalement. Et... Attention, la prochaine fois, ce sera une faute technique. Oui, parce qu'il me semble qu'il a... Dit quelques mots doux sur le terrain, mais c'est pas grave. Allez, on va reprendre le jeu. Et non, je pense plutôt qu'il avait fait une simulation en se laissant tomber. Voilà, c'est un peu plus ça. Allez, Rich à 2,50 et 4 longueurs d'avance pour Madagascar. Attaque ligne de fond de Botou avec la main droite et la planche. Très bien fait, très bien fait. L'écart qui se creuse maintenant, 6 longueurs d'avance pour Mada. Et Solondran qui récupère la balle. Et certainement que Ridge va calmer tout ça, effectivement. Voilà. Il a bien raison, le meneur de jeu de Madagascar. Il va jouer le chrono des 24. Tranquillement, on a 6 longueurs d'avance à 2-20 de la fin de cette prolongation ici au gymnase de Phoenix dans le groupe A pour ce match ô combien important pour la suite de la compétition. Solondran, pas de faute sur Livio plutôt. Et VAR qui remonte la balle vers Nelson Richardson à l'opposé vers Malheran. Malheran vers le raté, VAR à 3 points. Son spot à lui, il le met. C'est son spot à lui, Mikel VAR. Excellent à l'intérieur comme à l'extérieur. Le récital de VAR à 3 points. Et il en est déjà à 27 points. Et 3 longueurs d'avance pour Ridge à la main pour Madagascar. Il glisse, mais le ballon reste dans ses mains, restant dans les mains malgaches. À l'angle zéro, cette fois c'est un peu long, mais la balle est récupérée par Madagascar et Ridge qui demande à ses coéquipiers de se calmer. Bien sûr, à 1:28 de la fin, cette première prolongation, Ridge qui dribble, qui trouve son partenaire Livio et le rebond derrière Botou. Ça va faire mal ce rebond pris par Botou, surtout voilà dans le camp réunionnais. Et troisième reprise, intelligemment. 6 secondes encore à jouer. Et Rich qui ressort vers Ella. Les 3 points. C'est le panier peut-être assassin de cette rencontre qui va peut-être déterminer le résultat final. Ce tir à 3 points de Ella après un superbe travail de Rich tout seul, Ella. Et se fait pas prier. Et là, ça a payé. Un matelas assez confortable maintenant, Gary, au Malgache. Ben oui. Avec les 6 points d'écart maintenant, Madagascar se retrouve devant. Et à environ 4 possessions, on va dire, pour les Réunions. Ça va se jouer. Et tu remontes. Loïc, si tu vois que c'est coupé, tu viens la balle pour Nelson. Ok, Nelson, tu peux la donner à Loïc. Ok, Nelson, tu peux redonner sur Mike. Loïc, quand tu reçois la balle, regarde, tu vois Mike. Ok, le shoot, c'est soit on a un shoot dedans, ou soit c'est un shoot à 3 points. D'accord, Sam, tu peux remonter, drive, il y a du shoot à 3 points. Ok, d'accord, en défense, 2-3, le rebond. Ensemble. Le rebond certainement. Là, on voit que M. Chérubin a averti Livio. Le 6.
meilleur marqueur de son équipe, en compagnie du 25 Elay. Les deux compères sont à 20 points chacun, mais le meilleur marqueur de la rencontre reste Mickaël Vaar, le 4 réunionnais, un peu partout, et surtout à 3 points, avec 3 tirs primés, au-delà du cercle qui a fait beaucoup de bien à l'île de la Réunion, surtout en début de deuxième quart-temps. Et il y a une faute offensive. Faute offensive sifflée par le Comorien Al-Sharif. Donc on va discuter, mais ce sera bien une faute offensive. Et toujours 6 longueurs d'avance pour Madagascar. Même si Ridge demande quelques informations supplémentaires à M. Al-Sharif, la balle sera bel et bien pour les Malgaches. Une remise en jeu sur le côté de Elay. Encore une minute encore à savourer. Avec Ridge. Là, qui va jouer le chrono. Dans la dernière minute. On n'est pas pressé. Voilà. On a tout notre temps. Qui attend. 14 secondes encore pour lui. La possession malgache. Ridge qui demande l'écran. Prise avec Vaar. On ressort vers Livio. Prise avec Lorate. Le tir en extension. C'est bien fait. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est bien fait. Ça fait mal. Il a le sang-froid. Attention à Lorate pour la réponse un ça peu pour contrer même le tir de Loïc Lorate. Et l'avant-dernière possession pour l'équipe malgache qui va certainement remporter cette rencontre. Et la faute de Maléran, la faute de frustration du meneur de jeu Maléran. Et on voit là le petit travail, le dribble. Il se met dans sa position préférentielle en extension Livio. On l'a dit d'ailleurs depuis le début de la rencontre, Gary. Oui. On l'a dit, c'était l'homme à surveiller comme le lait sur le feu. Le malgache Livio, MVP de la dernière finale de la CCOIE Seychelles, le joueur du club Omnisport de la police nationale. Et lancé franc converti par Ridge. Il montre aujourd'hui pourquoi il a été MVP. Hein. Pour peut-être donner plus d'ampleur au score. Un 10e point d'avance peut-être pour Madagascar, mais ce ne sera pas avec le même ballon. Il y a eu un léger flottement du côté des Réunionnais. Il y a eu un léger flottement qui c'est fait que... le début de la prolongation en faveur de Madagascar et de Ridge. Moi, je trouve que l'équipe. Je trouve que en défense, ils auraient dû rester sur la 2-3 que de passer en 1 contre 1. Allez, 10 longueurs d'avance avec ce tir à 3 points de Gara. Mais le rebond sera pour Solondra, lui aussi, qui a fait beaucoup de bien, notamment avec ses 2 points et surtout ses rebonds. Et on va terminer tranquillement avec Solondra sous le cercle. C'est bon. Et c'est terminé. C'est terminé. Le dossier est clos. Avec la victoire, Gary. De l'équipe de Madagascar, 86 à 76 après prolongation. Le meilleur marqueur de la rencontre, c'est Vaar, le Réunionnais, avec 27 points. Mais certainement, les meilleurs joueurs étaient du côté de Madagascar, notamment le 6 Livio. Et notamment, même s'il n'a pas beaucoup de points, son actif au niveau du tableau, Jean-Michel, c'est le meneur de jeu, le fameux 53 Ridge. Oui, c'est lui le métronome de cette équipe malgache. Et de par sa conduite de balle, de sa remontée offensive, c'est lui qui porte l'équipe. C'est lui qui donne le tempo. Et il a assumé pleinement son rôle, même si par moments, il y a eu quelques signes de faiblesse. Ouais. Parce que, ouais. Comme on a dit, il y a eu un match dans le match. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, messieurs. Juste, on rappelle le tableau des demi-finales maintenant. Chez les messieurs concernant
cette compétition des Jeux des Îles. Donc Madagascar avec cette victoire termine en tête devant l'île de la Réunion. La victoire est méritée pour les joueurs de la Grande Île. Quand nous les...